Bonjour, bienvenue sur Argus.fr. Aujourd'hui, on vous parle de SUV. Pas n'importe lesquels SUV, puisqu'il s'agit des SUV italiens, avec l'unique modèle vendu sur le marché, la Fiat 500X, que vous avez sous les yeux. Un modèle compact qui vise le Peugeot 2008, le Renault Captur ou le Opel Mokka, avec le double avantage d'être proposé en 2 et en 4 roues motrices. Mais les Italiens ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Ils vont monter beaucoup plus haut en gamme avec un modèle premium chez Maserati. On va découvrir tout de suite le Maserati Levante. Le Levante, c'est le tout premier SUV de chez Maserati, avec un style élégant, classique à l'italienne, une énorme calandre à l'avant qui met bien en avant le trident, trois écopes sur le côté, ça on l'a déjà vu sur les coupés et sur les berlines, et un trident également sur la custode arrière. Ce style flamboyant à l'italienne va jeter un pavé dans la mare et causer des soucis au Porsche Cayenne et au BMW X6. Avec son pavillon fuyant et sa ligne de lunettes arrière inclinée, le Maserati Levante se positionne à mi-chemin entre un SUV de facture classique type BMW X5 et la version coupée BMW X6. On a également un pli intéressant sur le côté, même si ça pourrait rappeler un petit peu l'univers Bentley. Et puis à l'arrière, c'est très classique, c'est vraiment l'univers Maserati avec une forme de phare qu'on retrouve sur les coupés et les cabriolets. Même si on n'achète pas ce type de véhicule pour sa capacité de chargement, ce n'est pas vraiment un déménageur, le Maserati Levante dispose d'un volume de coffre de 550 litres. Et puis surtout, le maître étalon sur ce genre de véhicule, c'est la possibilité de loger des sacs de golf dans le coffre. Et ça, bien sûr, ça sera le cas. Puis pour la petite anecdote, la plage arrière est en Alcantara. Allons voir si cette élégance italienne se retrouve également à l'intérieur du Maserati Levante. Pas de doute, à bord du Maserati Levante, on est vraiment dans un univers luxueux, avec de l'Alcantara en partie haute et une planche de bord intégralement tendue de cuir et de bois précieux. La présentation est de bonne facture. D'un point de vue high-tech, on a en bonne place sur la console centrale un écran tactile qui permet d'accéder à toutes les fonctions du véhicule. C'est très pratique et surtout c'est de bon ton. Après, il y a pas mal de rangements sur cette console centrale. On peut déposer tous ses effets personnels sans aucun souci. Au final, ce Maserati Levante se hisse sans aucune fausse note dans la catégorie des SUV luxueux sportifs et il permet justement de rafraîchir la catégorie qui s'endormait un peu sur ses lauriers avec uniquement des modèles allemands. Maintenant, nous, on n'a qu'une hâte, c'est d'aller l'essayer très prochainement. On vous donne rendez-vous. A bientôt sur l'Argus.fr. Comme il fait un peu froid, allons nous réchauffer. C'est parti. Même si on n'achète pas ce genre d'engin pour un déménagement, le Maserati Levante a été... Ouais. Celle-là, elle est belle celle-là. Par contre, il faut que je mette le compte. Nous maintenant, on n'a qu'une hâte, c'est d'aller l'essayer. À bientôt. On va le refaire.